Donc du coup, apparemment, c'est bon, c'est parti. Vous avez regardé sur la console si les objets, les machins, tout est activé. C'est bon? Tout est bon. Si, nickel. De stock, on est bien. Monsieur Risotto en régie, est-ce que tout est bon? Tout est parti. Bon, bah, allez-y, grande finale. Grande finale. De Super Smash Bros. Wii U. Allez, on les encourage. On les applaudit. Et voilà, Pikachu directement qui va à l'agression, hein. Ça s'entend tranquillement. Alors que Rob, bon, c'est quand même un personnage qui peut jouer bien à distance avec pas mal de projectiles. Et là, après Rob, il a quand même un problème, c'est que sur les punitions de shield, parce que ce Smash 4 il joue quand même beaucoup à la punition, c'est qu'il a un grab vraiment pas terrible et que du coup, ben, c'est assez dur de punir certains j'allais dire, Pokémon, alors, il y a certains personnages. Pour Pikachu parce qu'il est bien petit. Et petit lead pour le moment pour le Pikachu, mais c'est pas non plus significatif. C'est quoi le match-up? Le match-up, si on parle directement de tier list, Pikachu est un peu considéré comme top 4 là, actuellement. Ah ouais? Quatrième meilleur perso, il est pas beaucoup joué, mais il a énormément de potentiel. Rob un peu moins, c'est un mid-tier, mais il est solide. Des coups très puissants, et là d'ailleurs ça se voit assez, hein, les petits pipis qui partent très vite, et Pikachu qui enchaîne directement avec les upbeats, qui enchaîne totalement, c'est totalement free. Mais c'est vraiment, c'est compliqué à faire ça, hein. Le upbeat, le fait de se balader en mode éclair là, pour le gérer, c'est vraiment vraiment compliqué. C'est parce qu'il a un coach aussi. C'est ça. Et là directement puni sur le shift de Rob, le Down Smash qui passe. Il essaye, encore d'être mal, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il fait le coach d'ailleurs là? Il est surprise beaucoup quoi là? Ah bah il a l'air de l'encourager à fond, hein, mais là c'est vraiment even de chez even. Un petit smash, ça pourrait finir. Ouh, il a tenté, et ça a roulé, on y va. Là, est-ce que ça va faire le low? Est-ce que ça va tuer? Oui, ça va tuer, ça tue. 107% avec la fumée, forcément Rob, ça fait quand même des gros dégâts. Je peux pas le nier, hop là, shop. Est-ce que ça va upper derrière? Ça va pas toucher? Non, il tente quelque chose d'autre, mais. Malheureusement, ça ne passe pas. Il y a un petit dormi. Oh, ça a touché le choc. Et c'est quasiment even, hein, maintenant 27%, 34%. Allez, l'Asie, là, c'est là. Hein. Allez, les Asiatiques. Et là, si jamais Enki perd ce match, je pense que c'est vraiment son premier match perdu. Hein. J'ai un petit doute. Mais c'est parce qu'il a réussi à teker sur le bord alors qu'il était avec son autre pays. Même maintenant, bravo, bravo. Ça voilà, déjà ça prouve qu'il y a quand même il y a du niveau, hein. C'est pas si simple ça. C'est petit combo vidéo, c'est un petit combo, ça enchaîne bien, et Pikachu qui revient safe, hein, c'est tranquille. Avec la petite pique, c'est la base. Et déjà 90% de Pikachu là, Rob, voilà, pendant que ça va tuer. Ah là là là, c'est bien. Bien joué, 1-0 pour 1-0 pour Ning, bon, qui vient de loser la tête, donc attention hein. J'en connais un qui va pas être content si ça, il y a un petit reset là. Mais à voir. Est-ce qu'il va rester sur Rob, mais vu qu'il vient de gagner, il n'y a pas vraiment de raison. Peut-être que Pikachu faut changer de bandeau. Alors, moi je préfère l'autre. Hein. Moi j'aime bien les lunettes. J'aime bien aussi. Ça me rappelle mes. Non, ça change pas. Le bandeau. Alors voilà, alors, en fait, voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les gens se mettent d'accord sur les stages, je crois. Oui, c'est ça. Il y a l'histoire de Counter Peak. À la base, il y a trois terrains neutres, mais là, le premier stage qui a été choisi, c'était pas un neutre. Bon, on va pas faire de chipoter en hein, stage, du moment que les deux sont d'accord. Et du coup, mais là, ça va partir sur Smashville. C'est probablement le stage le plus utilisé sur Smash 4. Et bon, après, c'est une map qui fonctionne avec tous les personnages, du coup, c'est un peu dur de dire exactement ce qui va se passer. Mais tout à l'heure, là, ça a chier beaucoup de trucs, ça, quand même. Et là, c'est fini, hein, tranquillement, sur le shield. Il faut que Ling gagne 3 matchs. Il faut que Ling gagne 3 matchs. Ouh, est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va rester? Oh là 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 là. C'est Pikachu Asiatique, Pikachu Asiatique. C'est Pikachu Asiatique. Allez, hop. Ça continue. Bon, allez, quand même. Rob qui a un bon covering sur ses attaques. Mais voilà, il continue. Même pas clair. Il va l'enchaîner. Un petit, même pas. Il a relâché un petit peu tôt. Voilà, Rob quand même. Robin, ça fait monter les pourcentages. Rob fait des choses aussi. Oui. Frisbee dans la copie, c'est ça. Ah, c'est pas mal, Rob. Ça va bien joli. Ce bout, là. Mais là, il s'est vraiment. Oh, non, c'est bon, c'est parti de l'autre côté. Il a pas fait le stage by, il tente un petit peu la shot. Voilà, là il se fait punir. Non,
prix formidable. Oui, il y a un, en fait. Là, il y a un. Pour le coup, c'était... Ça s'est rattrapé très vite, après. Là... Des fois, c'est une technique aussi. Et je laisse gagner un peu l'adversaire. Voilà, évidemment, la confiance. La confiance, la confiance. Et Link, du coup, il va rester sur Rob, alors qu'il est joué. Alors, tout à l'heure. Camoulox du stage. Je choisis un stage, mais toi, tu gardes mon perso, et moi, je pioche trois cartes. Voilà. Et je fais deux tours pour mon Uno. Voilà. Donc, du coup, et du coup ça a pris Tunneling City. Du coup Tunneling City, un peu similaire à Smashville. Enfin au moins dans le design, je veux dire c'est animal. Il y a trois plateformes qui se déplacent, qui parfois s'en vont, et surtout en fait la boîte du terrain quoi, est beaucoup plus petite en fait. Tu meurs beaucoup plus vite sur ce terrain que sur un battlefield. Sur le bas de la ville du coup. Non même en horizontal. Le côté aussi c'est vraiment pas rendu. Donc pour le moment. Pikachu qui peut zoner un petit peu tranquillement, c'est assez gênant, ou le type qui est fini directement. Ça enchaîne bien, mais là, ça enchaîne. Le fer, up tilt, up back air. Ok. Alors, qui a un peu du mal là, parce que en vrai, ça veut mettre des projectiles, du moins en début de game, pour pouvoir monter les pourcentages tranquillement. Mais en général, quand sous la pression, parfois c'est un peu dur de le pouvoir mettre. Donc on essaye d'aller au cap pour finir les moves. Contre un Pikachu, c'est un peu compliqué. On est déjà à 107% là, je pense qu'un smash bien placé de la part du Pikachu, ça peut vraiment tuer l'ordre. Le fer, ça peut être un peu plus rapide. Et pas de punition. Ouh là 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 là, ça va vraiment aider, ça c'est bien. L'arrière bambine. Un smash, tranquillement. 72%, 80%. Mais là, toi, un simple pair du Rob. Je pense que ça peut tuer Pikachu. Le stage est super bas. Ouais, c'est très 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 bas. C'est pour ça, là, sur Battlefield, une décision finale, ça aurait pas forcément. Voilà, attends, il a envie de repartir contre. Mais là, il a envie d'y aller là. Il repasse en mode YouTube Sensei. Oh là 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 là. Oui, il fait le Sharingan, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Voilà. Petit shop. Combo, hey. Ah, il va le chercher. Petit Battlefield. C'était pas mal tenté. Malheureusement, il était un peu bas le Rob. Ah, mais là. Ce Pikachu YouTube. Japanese combo, là on est en plein dedans. Ah c'est bien. Oh il va le chercher. Non, il était un petit peu en retard le père Pika. Il a tenté le smash mais. Ouais, oh oui Pikachu c'est quand même pas ça. Non il est encore bien. Il a vraiment mais il remonte. Oh là là mais il remonte. Il remonte du bas de l'écran. Mais ça courait à fait. Merci. Ah mais. Oula est-ce qu'il va. Non c'est bon ça va passer. Il va le spike. Il va le chercher mais juste. Et un coup de chute, il passe. Un autre point, c'est même plus. Est-ce que tu penses au plus tard, plus perso. Tu fais quoi donc Bah, Diddy Kong. Est-ce que, ouais, Diddy Kong, moi je pense que ça passerait mieux là, parce qu'il a un peu du mal, je pense. Nick, peut-être autre chose. Nick, il veut pas. Tu t'es trompé peut-être. Ou peut-être qu'il est vite. Parce que peut-être qu'il peut faire le. Parce que normalement, tu choisis le stage avant un perso. Oui, c'est une vraie galère, hein. Tu regardes les stages et tu regardes derrière. C'est comme ça. Ah, c'est bon, ça qui fait. Peut-être que c'est ça. Voilà, là, est-ce qu'il va back? Est-ce qu'il va prendre son Diddy Kong familial? Voilà. Allez, moi, je pense qu'on peut encourager Lim quand même. Allez, parce que Lim, il a quand même des choses de le match, c'est le match. C'est pas le match pour Enki, c'est ça. Hein. C'est ça, allez. C'est parti, est-ce qu'il va réussir à lancer ses belles peaux de banane comme tout à l'heure? Les bananes comme sur la télé du Stunfest, hein. Hop, c'est ça. Une banane, c'est la même, elle est là. C'est Lyon de Banane Stunfest, Billy, bon. Allez, allez. Et pour le moment, c'est Pikachu qui la récupère hein, tranquillement. Allez, boum! Ça fait mal, ça rattrape. C'est le OU-A de Diddy Kong, pour ceux qui savent pas, c'était tellement pété au début que ça en a fait un bim en fait. Le OU-A, voilà, down throw up air. C'est gratuit, alors bon, ça jump tranquillement. Ah, il va le chercher, hein, il hésite pas. C'est quand même, c'est un peu sous-assis, Pikachu. Il va le faire un peu sous là. Voilà, 72%. 72% déjà, le down charge qui t'a fait. Oh, il va le chercher, mais oh, une deuxième fois oh. Est-ce que ça va passer? Ça pique, hein. Ça pique, il est descendu. Tranquillement, là, il fait le ninja Naruto. Tranquillement, hop, le tilt, la merde, on s'est raté. Ah, il va y avoir un petit bois. Ouh non, directement la finition smash. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, on lance la finition smash. Mais c'est la petite. On lance la fiche, voilà, oh là, ça pire, c'est bien. Un petit peu de banane et un smash. Allez, ça va passer.
C'est ce qu'il a fait, mais il était un peu trop lent. Il joue bien Nid aussi. Ouais, bon, je pense que le match-up est déjà bien plus confortable entre Rob ou... Alors ça va passer le bon direct de Nid pour éviter le temps de Pika ou l'esquive. Bon, c'est pas bien. C'est bon, bien. Ouais, c'est le smash. Ça va passer. Nid qui prend l'avantage pour la première fois depuis le deuxième. Et là, il est bien parti avec ce Vidicon parce que il n'est pas encore mort et sur Turnit City, c'est... Enfin, sur Smashville, c'est pas aussi radical que Turnit City au niveau de la boxe. Du coup, Nick qui est encore bien. Voilà, il est 100%. Il trail. Déjà 49% au Vidicon, malgré le nerf, ça fait quand même sacrément mal. Hein. Et là, il roule dedans. Bien vu de la part de Nick qui va réussir à champion. Bien joué. 56%, rien n'est joué, mais là ça va petit. Non, ça arrête déjà. Ouha. Ouha, ça marche quand même moins bien, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Ça c'est bien, ça énerve. Combo garanti sur le shop quand même. Plus maintenant en fait. Avant, oui, c'était pas quelque chose. Bah d'ailleurs, en fait, tout le monde jouait un personnage, et puis quand il perdait un match, il prenait des vivants et il gagnait. C'était la base. Mais bon, pour le moment, petit avantage encore à Nid, hein, mais ça joue pas à grand chose. Là, tu verras, c'est pas passé loin, encore un petit backer. Ça va pas assez loin. C'est bien. La banane. Voilà, c'est bien, Nid. Tous tes amis de Vitry sont sur le stream. Et Toto, Nid te regarde. Une gamme de reset. C'est bien chaud. Un peu de... Ça va bien faire chier Wally. Et au final, on l'a dit, hein, 2 minutes 37 le match. Le petit 0-1, ça durait 5 minutes tous les matchs. Je sais que c'est pas aussi rapide qu'un Nid. Fais-le pour le 9-4. Ouais, fais-le. Pour Wendo. Ça se passe, certes. Je pense qu'il est... Là, il y a le coach là, qui est là quand même. Qui regarde sur le gamepad, tablette, on regarde. Il regarde le gamepad, il n'y a pas les. Parce qu'avoir un seul mérite, je pense qu'on va tourner ici, non? Autant en avoir deux. Là, c'est parti, c'est reparti sur la croisée du Villa, comme on dit dans le secteur. Et avant, post-patch, c'était le stage de la. Ouh là là, il va chercher! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la récupération du coup. Alors, peut-être une balle de match pour. 24%, il va falloir que Nid y mette tout parce que je pense que Enki il est là pour gagner, il l'a montré en allant chercher directement sur le terrain. Là, non, il va falloir faire. Oh là là, oh, c'est pas fouillable. Et c'est donc une victoire pour l'Asie. C'est une victoire pour Enki qui est le champion de France du monde de la Bretagne de Smash Wii U. Félicitations. Bien joué Enki. Qui aura montré quand même la maîtrise, hein. il a bien cherché. Bon là c'est fini du coup. Impressionnant, bah ouais c'est fini déjà. Vas-y Nid, viens. Ouais viens nous parler un peu de combien d'heures à peu près par jour tu fais pour apprendre ça. Et qui, un petit mot du gagnant, s'il te plaît. Non tu veux pas parler? Non, il est pas trop bien. Une petite interview des gagnants quand même. Vu que Blaze Blue ça a duré 3 heures. C'est clair, on peut au moins se permettre ça. Juste, déjà, première question, tu passes combien d'heures par jour sur Smash 4, à tout hasard? Il joue à LOL! Attends, mais qui joue à LOL, là? Qui joue à LOL? Tu joues à LOL? Je demande à ce qu'il soit disqualifié du tournoi. Ouais. Yes, ça marche. Vous avez dit combien alors? Raconte-nous tout. Alors, pour vous, ça peut tourner en... Et sinon en général je joue pas trop sexuellement quand une fois tous les week-ends. Alors. Ouais c'est pas si mal quand même Attends mais 10 heures de jeu ou alors de 10 heures à 10 heures. Est-ce que budget est là? 10 heures de jeu, franchement. C'est mérité du coup, bravo à toi. Il faut que Bidget monte sur scène aussi pour prendre sa place de 3, son lot de 3ème. Ah il reprend, il est tellement salé, il est reparti. À peine il est parti, ouais. D'accord. Ok, on va faire ça. T'es sûr, hein, tu vis au pas, hein. Tu vas pas repartir avec ça. D'accord. Bah du coup, bien joué, hein. Franchement, beau Pikachu. Et t'as été, ouais, le coach, hein, beau boulot. Mais allez chercher, là, sur la dernière, deux fois d'affilée. Mais aussi, c'était un peu, bah d'ailleurs, sur la dernière game, tu t'es un peu fait avoir, hein, sur les deux recoveries.
t'es arrivé super bas et bah il va aller te chercher Pikachu, ça y va. Pardon? Ah ouais, t'avais plutôt double. Bah ouais, t'as plutôt double saut, c'est vrai que j'avais pas trop fait attention. Ouais bah ouais, hein, c'est, tu vas le chercher directement. Bah du coup pour le premier, qu'est-ce qu'il gagne en fait? Une coupe en verre. Pro champion, et bravo encore à lui avec un Pikachu impressionnant quand même. Super bien joué, tout le tournoi. Hein. Et une petite coupe, bravo aussi à Adeline qui a quand même montré hein, l'Europe, pas mal du tout. Le Diddy Kong, bon, sur la dernière game, tu t'es fait bien avoir. Mais quand même, bravo, beau tournoi pour tous les deux. Et puis, c'était chaud. Franchement, bien content d'avoir fait ce tournoi. Oui, moi non, je suis arrivé. Toi, ça te souvient pas? Non, de toute façon, t'es arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. J'étais au commissariat. J'ai une excuse, j'étais au commissariat. Mais comme le dirait encore les Street Fighters. Street Fighters!